Eh bien, merci, merci beaucoup. Vous n'acceptez pas les cartes de crédit par hasard? Oui, je vois. D'accord. Alors, attendez. Voilà, j'ai compris. De rien. Bah, t'en as une tête. Merci. Dis donc, t'as pas l'air d'être frais. Daniel? Ben oui, qui veux-tu que ce soit? C'est bizarre, t'as deux têtes aujourd'hui. Oh, ça va pas. Mais regarde le désordre dans cette pièce. Mais qu'est-ce que vous avez fait cette nuit? Oh, pardon, excuse-moi. Dis donc, j'ai reçu ton télégramme. Heureux de l'apprendre. Quel télégramme? Bah, ton télégramme. Et voudrais-tu me le lire? Je vais épouser la plus belle fille de Suède, te voudrais comme témoin, viens vite, Brett. À quoi, me marier? Exact. Avec la plus belle fille de... Me marier? Je t'ai envoyé ça. Bah oui, on dirait, je l'ai reçu hier à Helsinki et je suis venu tout de suite. Oh, mais c'est ridicule, c'est sûrement une blague, j'aime Daniel. J'aime pas ces blagues-là. Oh, soyons logiques, Daniel. Si jamais j'avais eu envie de me marier, j'aurais dû d'abord te céder mon titre du célibataire le plus demandé. Bonjour, mon amour. Oh, je vais aller te faire un peu de café. Oh, vous êtes sûrement Danny White. Oui, c'est moi. Il m'a tellement parlé. Ah, bah oui. Ah, je crois que je vais être obligée de faire les présentations. Oui. Le pauvre Brett a l'air enracé. Je suis Madame Sinclair. Très heureux, Madame Sinclair. Dis-moi encore, Brett, es-tu marié? Oh, mais je te le répète, non, non, non. Je te signale qu'elle n'est pas sortie de ta vie, mais seulement allée chez le coiffeur.
Et en attendant, elle est persuadée d'être Madame Sinclair. Alors, il faut quand même supposer que l'un de vous doit se tromper. Oh, mais c'est Christine. Ah bon, tu sais comment elle s'appelle? Oui, bien sûr, je la connais très bien. Elle est allée il y a 2 mois environ, à Londres. Ah oui. Et bien sûr, nous nous sommes beaucoup vus. Oh, bah oui. C'est pour ça qu'en arrivant ici, à Stockholm, je l'ai appelée, je suis sorti avec elle tous les soirs. Mais qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Oh, c'était bon, ça refaites-lui ça. Hier soir, j'avais arrangé une petite soirée avant de repartir. Ah oui, et tu étais complètement sous, hein? Non. Non, la soirée était très agréable, j'avais bu légèrement. Pourtant, à partir d'un certain instant précis, je ne sais pas allez-y, quand, je ne me souviens plus de rien. Dis-lui d'arrêter, s'il te plaît, Daniel. Ah bon, d'accord. Alors, ça va, ça suffit, mon chou. Dis-donc, comment on dit ça? Taxomiket. Ah, taxomiket. Voilà, vous avez été merveilleuse et merci. Elle m'a achevé. Voilà. Bon, alors, tu vas t'habiller, contir ça au clair. Quoi donc? Eh ben, on va éclaircir cette affaire. Tiens, qu'est-ce que c'est, ça? Tiens. Eh ben, mon vieux, je crois que ça a tout l'air d'être une sorte de certificat de mariage. Tu ne connais pas le suédois? Non, mais il y a ton nom là-dessus. C'est complètement idiot. Et si un invité avait fait tomber une drogue quelconque dans ton verre, c'est possible? C'est possible, mais alors dans quel but aurait-il fait ça? Ben, pourtant, il existe certainement une raison. Oui, la plus évidente serait de s'emparer d'une partie de ce que je possède. Bon, personne ne se laisserait rouler aussi ridiculement. Si jamais ce qui est écrit là s'avérait être authentique, tu l'aurais été. C'est ici. Bonjour. Bonjour. Mon ami et moi, nous cherchons des renseignements et nous aimerions vous poser quelques questions. Je vous en prie. Bien. Existe-t-il une liste de tous les mariages qui ont été célébrés ici à Stockholm? Oui, bien sûr. Eh bien, alors, pourriez-vous vérifier si on a célébré un mariage dans les dernières 24 heures entre Christine Hansen et Brett Sinclair? Non, ce ne sera pas difficile. Je vais consulter le dossier. S'il vous plaît, oui. Tu devrais déjà envisager la pire solution. Suppose qu'on découvre que tu es bien marié. Hein? Je pourrais être témoin à ton divorce. Non, il n'y a rien ici. Ah, oh, mes félicitations. Vous en êtes sûr? Oui, bien entendu. Vous faites de moi l'homme le plus heureux du monde. Oh oui, merci pour lui. Lord Sinclair, c'est un plaisir de vous revoir. Nous nous sommes déjà vus? Ah oui, à la cérémonie. Mais vous n'aviez Dieu que pour la mariée. Non, j'ai bien travaillé pour vous, je viens juste de finir l'enregistrement. Vous pourriez peut-être le classer. Attendez, est-ce que je pourrais juste jeter un coup d'œil dessus? Saint Thomas, vous connaissez? Vous verrez que tout est en ordre. Bien sûr, j'en suis persuadé. Et dis-moi, c'est bien ta signature? Oui. Oui, sans l'ombre d'un doute. Alors, t'es marié? Ah, je vous dis qu'il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Je vous promets que ce mariage est tout ce qu'il y a de légal. Mais alors, je voudrais bien savoir, à la cérémonie, est-ce que j'avais l'air sobre ou bien plutôt ivre? Vous étiez un peu gai. Tout le monde était un peu gai, comme c'est l'usage à un mariage, mais vous n'étiez pas ivre, non? Merci.
Et encore merci. Hein? De rien. Au revoir. Au revoir, monsieur. Alors, et maintenant? Je vais avoir un entretien avec ma femme. Je vais avoir un entretien avec cette fille. Hé, hey, c'est encore moi. Est-ce que je pourrais avoir ça une seconde, s'il vous plaît? Je vous le rends tout de suite. Alors, merci. Oui, monsieur Anderson? Voulez-vous m'appeler Gunnar Christensen au téléphone? Tout de suite. Guten Tag, et encore merci. Bah, je vous en prie. Ah, tu es là. Ça n'a pas l'air d'aller mieux, hein? Serre-moi un verre et je te raconterai ma matinée. Tu as épousé une femme très efficace. Je suis allée retirer nos billets d'avion et nous arriverons à Londres avant qu'il fasse nuit. Je suis passée à mon appartement pour prendre quelques affaires et j'ai aussi rapporté les tiennes. Et ça, c'était un peu spécial. C'est mon cadeau de mariage. Ouvre. Allez, ouvre. Cette comédie est terminée. Tu as manœuvré si bien qu'il est inutile de poursuivre ton rôle. Qu'est-ce que tu veux dire? Qui a eu cette idée? Mais explique-toi, de quoi veux-tu parler? C'est plus la peine de mentir. Tout est arrangé, légalisé, signé et entériné. Et nous sommes mari et femme. Alors il est inutile de continuer. Combien? Combien quoi? Brett, ce que tu me dis là n'a aucun sens. Combien est-ce que tu veux? 1 million en liquide? Peut-être poursuis-tu un autre but. Tu as sûrement réfléchi à tout ça avant de commencer cette aventure. Est-ce que tu veux dire que je t'ai épousée uniquement par intérêt? Je veux dire que tu es une intrigante, une excellente actrice et une menteuse. Je te rends ça. Alors tu veux dire que tu étais tellement saoul que tu ne te souviens plus de rien? Quelle est la main qui guidait la mienne pour la signature? La tienne? C'est toi qui as mis la drogue dans mon verre? Je téléphone à mon avocat et je lui demande d'annuler le mariage dès que possible. Et ça ne te coûtera rien. C'est là? Ah oui, d'accord. Tac. Regardez tout. Tac. Dites-moi, je voudrais vous... Oh, je suis vraiment désolée, je... Non, mais c'est rien. Vous ne vous êtes pas fait non, mal. Non, ne craignez rien. Je croyais que vous faisiez partie de la classe. Non, mais c'est rien. J'ai vraiment aimé être bousculée. Vous pouvez recommencer, d'ailleurs. Ah, non.
Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Mais je vous en prie, ne vous excusez pas. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a vraiment pas de quoi. Bonjour, je m'appelle Danny Wilde. Et moi, Bibi Bergman, enchantée. Bibi Bergman? Ah, oh, bah non, vous n'avez pas. Bibi, venez là. Restez tranquille une minute. Voilà, vous avez assisté à un mariage hier, je crois. C'est un excellent ami qui s'est marié. Brett et Christine. Oh, vous le connaissez? Ah oui, oh bah, si, je le connais. Ben, Brett, en fait, est de loin mon meilleur ami. Ah oh. Et il y en a comme ça. Oh, mais il fallait venir à la cérémonie et à la réception, voyons. Je dois avouer qu'elle était très agréable. Ah, vraiment? Ben, je suis désolé de l'avoir raté, je vous aurais connu plus tôt. Je crois que vous étiez l'un des témoins. C'est exact. Et M. Christianson était l'autre. Cette salle lui appartient. En fait, c'est mon patron. Ah, vrai? Mm-hmm. Eh bien, il faut vous dire que c'était pour lui que je venais. Je voulais l'interroger. Mais je préfère vous avoir vu, vous. De toute manière, il est sorti. Non. Ah, bah, pourvu qu'il revienne vite. Bibi, j'ai à vous parler. Venez ici. Mais asseyez-vous. Hein. Oh. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? J'ai bien peur de devoir terminer la leçon d'abord. Mais ça ne durera que 5 minutes, ensuite nous bavardons. Ben, j'attendrai. Si vous le désirez, je vous apprendrai à vous défendre contre les filles. Hein? Qu'en dites-vous? J'ai toujours refusé de me défendre contre les filles. Allez vous chercher un kimono. Les avocats vont déclencher la procédure immédiatement. Je suppose que ça va te rendre plus gai. C'est faux. Ça ne me plaît pas du tout. Christine, nous connaissons depuis 2 mois peut-être. 9 semaines pour être exact. Tu sais, les femmes sont beaucoup plus sentimentales pour ce genre de choses. Je saurais te nommer tous les restaurants où nous sommes allés, toutes les soirées auxquelles nous avons assisté. Ça peut te surprendre, mais moi aussi, je m'en souviens. C'était amusant. Amusant? Et j'ai fait la sottise de me marier avec toi. Tu ne voulais pas une femme, non. Tu voulais un numéro de téléphone, un pied-à-terre pour tes séjours à Stockholm. C'est exact. Mais c'était différent, je n'avais pas de femme. Alors que maintenant, j'ai une femme. Pas pour longtemps. Christine, tout ce que j'ai pu dire, je ne le pensais pas. Ou si tu en pensais chaque parole. Je veux te dire que je regrette. Personne ne change d'avis aussi vite que ça. Je ne vais pas te dire que je suis amoureux comme le ferait un gosse de 15 ans. Mais je veux continuer à te voir, je veux rester avec toi. Non, c'est trop tard. Autrefois, on faisait d'abord la cour à celle qu'on aimait. On formait une sorte d'association avant le mariage. Montrons-nous un peu originaux en faisant l'inverse des autres. Laisse-moi te faire la cour après le mariage. Non. Oublie ce que j'ai pu te dire. Oublie-le. Très bien. Non, je ne te blâme pas. Mais tu peux changer d'avis. Je voudrais que tu viennes à Londres avec moi. Le mariage était vraiment réussi. Il y avait du champagne et j'ai eu droit au bouquet de la mariée. C'est un signe de chance. Ça veut dire que je serai la prochaine à me marier. Oh, mais vous êtes très fort. Oui, j'aime le combat au sol. Et surtout avec vous, vous voyez. Pendant la soirée, comment s'est comporté Brett?
Est-ce qu'il vous paraissait bizarre, nerveux, ou est-ce que vous croyez qu'il avait trop bu? Non, il s'amusait comme les autres, mais c'était bien naturel. Excellent. Je ne crois pas qu'un expert d'un aussi haut rang puisse apprendre quelque chose ici. Danny Wald, Gunnar Christensen. Oh, Gunnar, comment allez-vous? C'est un ami de Brett Sinclair. Eh oui. Ah oui? J'ai été invité, vous savez. Oui, je sais, vous étiez le témoin. Hein? Oui, c'est bien ça. Et vous étiez à la réception. Bien entendu. Oui, et... savez-vous ce qu'on a fait boire à Brett? Bon, du champagne, certainement. Non, on a drogué son verre. Je suis désolé, mais je ne vous comprends pas. Eh bien... Vous pensez qu'on avait l'intention de lui faire du mal? Non, pas exactement, mais vous savez, je le connais depuis longtemps et je ne l'avais jamais vu dans un état pareil. Vous avez tendance à dramatiser la situation. J'ai vu de nombreux célibataires se marier et leurs amis croient toujours qu'on les y a obligés. Mais ça, c'est vrai. Non, je voulais juste avoir votre avis. Vous ne lui avez pas fait boire cette drogue, n'est-ce pas? Monsieur Wilde, vous feriez mieux de sortir. Je ne vous aime pas et je n'aime pas vos questions. Mais juste pour votre information, je préciserai que tout s'est passé normalement à ce mariage. Quand un homme ne se souvient pas de son mariage, ce n'est pas normal. Alors écoutez-moi, on se reverra. Et vous, je vous téléphone. Oh, bonjour madame. Brett, savez-vous où est le occupant de cette chambre? Oui, parti. Il a quitté l'hôtel. Vous en êtes sûr, mais pour aller où? Je crois qu'il est obligé de prendre l'avion. À l'aéroport, il y a longtemps? Une dizaine de minutes. Je vous remercie beaucoup, madame. Oh. Allô? Ah non, il n'est plus ici. Qui est à l'appareil? Vous êtes l'ami qui était avec lui. Ici Anderson. Oui, je vous ai vu ce matin. Je crois avoir des renseignements qui pourraient être importants pour vous. Monsieur Yves Carmeil est demandé au bureau des renseignements. Monsieur Yves Carmeil est demandé au bureau des renseignements. Hé, Brett! Attends! Alors, Danny, tu viens à Londres? Non, je partirai demain. Écoute, le gars qu'on a vu au bureau, il t'a appelé. Il a dit qu'il voulait vendre des renseignements, alors je vais aller le voir ce soir. C'est intéressant. Ben oui. Je suis désolé de t'abandonner, il faut que je parte. Fulton m'attend là-bas. Ah oui, je sais, ben c'est rien. Oh, j'ai dit à Christine de m'accompagner. Ah, t'arrives pas à t'en séparer. Oh, j'ai pensé qu'il valait mieux la garder au cas où il faudrait la surveiller par la suite. Oui, c'est... Oh, ben, ça te regarde. Attention, dernier appel pour les passagers à destination de Londres. Eh bien, on dirait qu'elle n'est pas là, de toute manière. Eh bien, à demain, alors, et bon voyage, mon capitaine. Allez, à demain. D'accord. Bonjour, Brett. Tu pars avec moi? La place d'une femme est auprès de son mari. Ça s'est passé? Comme dans un rêve. J'ai vu une touchante scène de réconciliation. Et ils sont partis en ayant l'air très amoureux. Notre petite Christine l'a solidement accroché. Il ne reste plus qu'un obstacle sérieux maintenant. Wild. Aucun problème. J'ai déjà décidé comment l'écarter. Thank you.
Je ne sais pas si je vous pardonnerai de ne pas m'avoir invité à votre mariage, mais je vous présente tous mes voeux de bonheur. Merci beaucoup. Et ne regrettez pas de ne pas avoir assisté à la cérémonie, monsieur le juge. Brett l'a manqué, lui aussi. Ah oui, et je peux même ajouter que nous avons failli établir le record du plus court mariage de l'histoire. De toute manière, nous allons organiser une belle soirée dès que Brett sera d'accord. Oui. Je serai ravi d'y assister. Et je voulais dire que dans les circonstances actuelles, j'apprécie que vous n'ayez pas décommandé notre réunion. Oh, notre lune de miel est reportée. Vous écoutez parler, je pense qu'il va se passer quelque chose. Vous semblez très mystérieux tous les deux, mon chéri. Pour des raisons de sécurité, on nous a demandé de ne rien dire sur cette réunion. Brett a offert cette magnifique résidence pour y loger un invité de marque. Oh, mais j'adore les secrets. Mais au fait, Danny ne viendra pas? Oh, il sera là dès qu'il aura réglé un petit détail à Stockholm. Monsieur Wack, je croyais que vous... Ce n'est pas moi que vous semblez attendre. Mais que... Que voulez-vous? Je veux ce que j'ai payé. C'est tout, seulement ce que j'ai payé. J'ai fait tout ce que vous aviez dit. Oh, mais c'est tout à fait normal. Vous avez reçu une grosse somme, monsieur Anderson. Et dans le prix, nous comptions votre silence. Mais je n'ai rien dit à personne, je vous le jure. Ni à monsieur Wilde? Non. Oui, il est venu ici, il a posé des questions, il a téléphoné récemment, mais je ne lui ai rien appris du tout. Vous le jurez sur votre tête? Oui. Ah, je ne prendrai pas le pari. C'est vous qui avez téléphoné? Non, je vous dis que c'est lui. Nous avons de très nombreux amis, monsieur Anderson. Des amis qui ont l'ouïe plutôt fine. Mais alors, qu'allez-vous décider? C'est la question que nous nous posions nous-mêmes. Monsieur Wilde devrait arriver bientôt. Il faut nous dépêcher. Laissez-moi vous demander... Allô, police? On a commis un meurtre. Oui, dans le bureau des licences de mariage.
Bonsoir. Merci d'être venu. Que s'est-il passé? Anderson a été tué. Et ces meurtriers ont voulu me faire arrêter, alors ils m'ont frappé sur la tête. Oh, Denis. Oh, vous savez qui c'est? Oui. Christianson. Oh, mais c'est incroyable, Christianson. Il habite au-dessus de la salle, je pense. Oui, mais il ne sera pas là à cette heure de la nuit. Mais je l'espère bien, je dois jeter un petit coup d'œil là-bas. Vous voudriez-vous m'y déposer? Je vais avec vous. Non, vous allez seulement me déposer et puis je vous rejoindrai ensuite. Mais j'ai la clé qui ouvre la porte et je connais le système d'alarme, Danny. Je saurais peut-être faire le guet. Ah, bah alors, j'ai une idée. Tiens, vous pouvez venir avec moi, hein, comme ça vous ferez le guet. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Alors, d'accord. Vous allez attendre ici. D'accord. Allumé. Oh, c'est excitant, hein? Oh, je connais d'autres choses beaucoup plus excitantes. Oh, je ne demande que ça. Non, pas maintenant. Allez, surveillez la porte et ouvrez l'œil surtout. Allez. À tout à l'heure. Le succès de l'opération dépendra de son organisation. Dans ce domaine, nos stratèges n'ont rien à apprendre de personne. Ah, mais je l'espère. Vous trouverez tout dans cette enveloppe, passeport et papier. La moitié d'avance, le reste quand vous aurez mené cette mission à bien. Pas confiance en moi? Oh, ce n'est pas ça. Dans mon métier, on ne fait confiance à personne. Mais où allez-vous? Restez ici. D'où il semblait être en ordre. Ce n'est pas encore l'heure. Vous voulez un verre? Vous devriez le savoir. Je ne bois jamais 24 heures avant un travail. Comme vous voudrez. Moi, j'en prends un. Encore un détail. Vous connaissez le pilote de l'avion? Trent, oui, il est très bon. Il peut se poser dans n'importe quel champ. Le tout est qu'il puisse redécoller plus tard. N'ayez aucune crainte. Le terrain d'aviation est abandonné, mais il est en parfait état.
Excusez-moi, mais il y a deux messieurs qui vous demandent là. Écoutez, mais je ne veux pas me battre, j'ai toujours été contre la violence, alors restez tranquille. Je ne veux pas me battre, mais je vais encore être obligé. Tenez ça. Sûrement entendu notre conversation. Oui, mais je suis très dur d'oreille. La ferme! Nous aurions dû le tuer en même temps qu'Anderson. Ah, mais il n'est pas trop tard pour réparer ça. Assurez-vous, dans la matinée, nous l'emmènerons à la campagne et il ne nous ennuiera plus jamais à l'avenir. Vous devriez vous en aller. Emmenez-le à la cave. Donnez-lui ça. Oui, ça va. Et oh, mon blouson. Oh, merci beaucoup. À bientôt. Hein. Allô, police? Venez immédiatement. N'essayez pas votre judo contre ça. Allez. Compagnie à Wild. Bonsoir, Sinman. Je suis heureux de vous accueillir ici. Lord Sinclair, puis-je vous présenter Lars Sinman? Comment allez-vous, monsieur? J'ai toujours admiré votre action aux Nations Unies. Merci beaucoup. Je vous suis très reconnaissant d'avoir mis votre maison à ma disposition pour rencontrer Fulton. J'essaierai de vous rendre le séjour aussi agréable que possible. Merci. Par ici. Vous avez fait bon voyage? Excellent, oui. Permettez-moi de vous présenter ma femme, Christine. Lady Sinclair, je suis très honoré. Sinman, votre chambre est à côté de la mienne. Ah, oui. Voulez-vous que je vous la montre? Mais bien entendu. Alors suivez-moi. Et quand vous serez installé, venez boire un verre avec nous. Oui, merci, Bray. Alors c'était ça, le mystère entre Fulton et toi? Oui, là, Sinman. Pour le reste du monde, il se trouve encore à New York. La discussion qu'il tiendra ici se déroulera dans le plus grand secret et sera très importante. Et bien sûr, je ne suis pas au courant de tout, mais apparemment, elle pourrait mener à une certaine entente avec les pays de l'Est. Et cette discussion se passera ici? Non, tout à côté. La résidence du Premier ministre se trouve à côté de la mienne. C'est impressionnant. Mais j'ai très peur, tu sais. Non. Pourquoi? Je ne sais pas si je saurais bien recevoir un tel homme. Tu t'en sortiras magnifiquement. Ah, j'ai enfin droit à un compliment. C'est le premier depuis que nous sommes mariés. Comment va-t-on sortir d'ici? Il faut trouver un moyen. Attendez, je vais réfléchir. Que vont-ils faire de nous, à votre avis? Rien, parce que nous partirons d'ici. Dites donc, qu'est-ce que vous savez sur les chaudières? Pas grand-chose. Je sais seulement qu'elle transforme l'eau en vapeur qui se répand dans les tuyaux et... il leur arrive d'exploser souvent. Vous n'allez pas la faire exploser, n'est-ce pas?
Quoi, j'ai l'air d'un kamikaze, à votre avis? Ah, oui, justement. Oh, j'ai un plan. Vous n'en voulez pas, monsieur le juge? Merci, Brett. Merci. Voulez-vous m'excuser? Je vous en prie. Bien entendu. Vous avez l'intention de bavarder durant toute la nuit? Oh non, ce ne sera plus très long. Je voudrais connaître quelques points précis sur quelques aspects des conventions internationales et c'est tout. Je veux aborder les débats en étant pleinement préparé et mettre ainsi toutes les chances de mon côté. Excusez-moi. Brett, écoute, j'ai une merveilleuse surprise. Mon frère est là. Je suis si heureuse de te présenter mon frère. Ah. Oh, d'autres chiffons, s'il vous plaît. Allez près de la porte, voulez-vous? Voilà. Ah, un petit sourire, ça ira. Hey, double tonne! Qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais parler avec Christianson, je voudrais lui proposer un marché. Vous avez rien à nous apporter. Bon, allez seulement lui dire que je veux lui parler, espèce de mal embouché. T'es à propos, boucher le tuyau complètement maintenant, hein? Oui, d'accord. Voilà, je vais faire monter la pression. Pom, 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 pom. Ça monte, ça monte. Oui, ça suffit comme ça. Alors, écartez-vous. Oh, mais c'est dans le rouge, regardez. Oui, il faudra pas en rester là. Et attendez, voyons un peu. La pression va encore augmenter. Alors maintenant, allez à la porte et dites-moi quand ils arriveront. Oh. Ça y est, ils arrivent. Vous avez demandé à me parler? Vous m'entendez, Wilde? Wilde! Ouvrez la porte. Ah, monsieur Christianson. Alors? Allons-y. Je vais vous faire visiter le parc. Une bonne promenade nous fera du bien. Il n'y a rien de plus simple. Dommage qu'il fasse frais. Oh, nous nous réchaufferons vite en marchant. Alors, qu'as-tu appris? Silman partira pour la conférence vers 3h. Bien, bien. Ça nous laisse beaucoup de temps, alors. Je ne peux pas faire ça. Tu n'as aucune instruction à me donner pour la suite? Non. Suis seulement les ordres. Emmener Silman à l'avion sera un jeu d'enfant. J'espère. J'ai réussi à me procurer une voiture qui nous attendra juste devant l'escalier. Tu t'es comporté vraiment superbement, tu sais. Je ferai en sorte qu'on la prenne en haut lieu. Ça n'a pas d'importance. Pas d'importance?
C'est capital pour une personne aussi ambitieuse que toi. Mon seul désir est de réussir à emmener un otage de haut rang. Détenir Silman nous donnera des arguments de la plus grande portée. Ah, mais tu as droit à des félicitations. Rien de tout ça n'aurait été possible sans ce que tu as fait. Je sais parfaitement ce que j'ai fait. Je vous écoute, oui. Ah, mais oui, c'est bien ici. Un appel de secours. Oui, je reste en ligne. Allô? Non, je crains de ne pas pouvoir joindre Lord Sinclair en ce moment. Alors, répétez ce message à Lord Sinclair, voilà. C'est absolument vital. Dites-lui que Danny vient de quitter Stockholm. Il sera à Londres dans 2 heures environ. Oui, d'accord. Je le lui dirai, madame. Et dites-lui bien qu'il se passera des choses graves. Oh, nous ne savons pas quoi exactement, mais Christine et un certain John y seront mêlés. Il faut l'avertir immédiatement du danger. Je vais essayer de le voir et de le prévenir. Je dois l'arrêter. Oh, mais dites-moi, quelles sont les chances d'arriver à un arrangement ? Excellente. Oui, nous devrions parvenir à des accords très importants et durables. C'était nécessaire. Viens donc m'aider plutôt. Qu'est-ce qu'il y a, Christine ? Rien du tout. Tout va très bien. Pourquoi ne le dis-tu pas ? Te dire quoi ? Tu y penses depuis que nous sommes arrivés ici. Je voulais éviter de te le demander en espérant plutôt que tu te confierais à moi un jour ou l'autre. Alors tu ne veux pas le dire ? Oh, c'est difficile, je n'en ai pas le droit. Brett, peut-être... Mais que se passe-t-il? Tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Vous ne la faites quand même pas déjà pleurer. Réponds. Ah, les femmes, elles sont difficiles à comprendre. Vous voulez peut-être que je lui parle? Non. Non, elle doit décider seule si elle veut me faire confiance ou pas. Oui, c'est exact. Et elle prendra sûrement la bonne décision. Appelle Silman. Vous croyez que tout cela est exact? Oui, je peux vous l'assurer. Très bien.
Monsieur Silman, excusez-moi de vous interrompre. Pourriez-vous venir parler un instant à Brett dans la bibliothèque? Mais oui, bien sûr. Excusez-moi. Allez-y, je vais lire ça pendant ce temps. Oui, d'accord. Lady Sinclair, je tiens encore à dire combien j'apprécie l'aide apportée par votre mari. Savez-vous que... C'est mal. Avancez vers la porte. Ah, mais j'allais justement vous demander si vous ne... Pas un geste et tout se passera bien. Eh bien, Christine, vas-tu me dire pour quelle raison tu t'es donné tout ce mal, sans compter la comédie du frère et de la sœur? Notre seul but était d'approcher suffisamment Silman. Mais que voulez-vous faire de moi? On n'en sait rien. Nos employeurs veulent obtenir des conditions avantageuses au cours de la discussion qui va avoir lieu, y compris la libération des prisonniers politiques. Et votre vie dépendra de la réponse. Face au mur. Christine. Vous ne réussirez pas. Silman? Silman? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Ils ont enlevé Silman. Comment vous sentez-vous? Christine. Christine, Christine et John. Allez, levez-vous. Allez. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé à moi? On l'a frappé sur la tête. Hé, hey, Christine et John, j'ai découvert oui, quelque chose sur eux. Silman. Il y a longtemps non, de ça? Non, environ 10 minutes. Mais il faut vite les poursuivre. Et on ne sait pas où ils se dirigent. Je sais qu'ils vont partir en avion d'un terrain abandonné. Tu le connais peut-être, toi? Oxfield. Il y a des années qu'ils ne servent. Il est loin, Brett? Environ 10 kilomètres par la route. Bon, vous ne les rattraperez jamais avant qu'ils y arrivent. Avertissez la police et amenez-la vite là-bas. À tout à l'heure. Accroche-toi bien, on va être un peu secoué. Ne prends pas trop de risques, hein. Dis donc, tu ne disputes pas un grand prix. Roule moins vite. Je ralentirai à l'avion. Tu les rattraperas jamais de cette manière, hein? Oh non, certainement pas par la route. Oui, ben te fâche pas, moi je disais ça comme ça. Je ne dirai plus rien de moi. S'appelle cet endroit? La colline noire, pourquoi? Mais je voulais seulement savoir pour ne plus jamais revenir par ici.
Mais t'es sûr de savoir conduire ça? Ah, mais elle se conduit elle-même. Tu veux que j'ouvre la barrière? Ben, réponds-moi. Ah! Et pourquoi en veux-tu aux barrières? T'en fais pas, va, tu l'auras quand on viendra. C'est un grand cardiaque. Elle n'est pas réussie, leur autoroute, hein? Depuis quand tu sais piloter un avion? T'as qu'à les percuter? Est-ce qu'a été la voiture, Daniel? Quelle voiture? Eh ben, rentre-leur dedans, qu'est-ce que t'attends? Hein? Allez, vas-y! Ça va mal finir pour l'un de nous deux, mon vieux. Ils sont sûrement assurés, Daniel. Et d'après la loi, s'ils nous touchent derrière, ils sont en faute. Ah bon. Christine, viens m'aider. Bouge la voiture. Les clés ne sont pas dessus. Les clés. Les clés. Et si je refuse? Brett, s'il te plaît, donne-moi les clés. John va te tuer, dépêche-toi. J'aime ta sollicitude de fidèle épouse, Christine. Oh, mais je ne suis pas ta femme. Nous n'avons jamais été mariés, les papiers étaient faux. Ah. Les clés. Navrée, Christine, je dois vous retenir. Restez où vous êtes, vous. Curieuse façon de traiter une lady. Une lady? Elle n'est même pas ma femme. Je crois qu'il est temps de partir pour cette conférence. Oh, oui, oui, vous avez raison. Alors encore merci pour votre aide. Évitez les amis du juge. Oui, oui. Merci, monsieur. Oh, ben de rien. Au revoir, Brett. À bientôt. Merci. Rien de plus reposant qu'un petit séjour à la campagne. Au revoir, Danny. Revenez donc. Bon voyage. Navrée, Christine. Que tu me crois ou non, j'ai été heureuse dans mon rôle de Lady Sinclair ces jours-ci. Moi aussi, j'ai été très heureux. Thank you.
Alors, où est-ce qu'on va maintenant? Eh ben, je crois qu'on pourrait aller à Cannes et y boire une bouteille de champagne ou deux. Cette aventure sentimentale t'a dérangé le cerveau. Tu as acheté les clés, tu t'en souviens plus? Ah. Non, mais t'inquiète pas, je vais les trouver. Daniel, c'était les clés de l'appartement de Londres. Thank you.